m'appelle Lucas Sorkin et je suis argentin, compositeur. Je fais la musique depuis longtemps. J'ai joué de la musique, mais surtout je compose de la musique. J'ai commencé à composer quand j'avais 6 ou 7 ans environ, de façon très spontanée. Et j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans et la place de mon père a été occupée par un piano. L'indication pour les thèmes que tu as mentionné, c'est très naturel, on ne peut même pas faire autrement. Oui, il faut les laisser vivre, il faut les laisser exister. Il ne se pose pas toute la question du respect pour les tempi, hein. c'est hyper naturel. C'est tempo giusto, hein. C'est dingue, ça existe, hein. Dans la musique contemporaine, il y a un tempo giusto. Je n'ai pas forcément choisi de devenir compositeur. Je suis devenu compositeur en faisant de la musique. Pour mes parents, l'art était toujours très important. Ma mère, elle est physicienne. Mon père, il était architecte. Mais ils nous ont toujours transmis l'idée que l'art était la chose la plus importante au monde et qu'on pouvait transformer le monde. Et cette pièce, elle s'appelle Goodbye Planet Earth. Je l'ai composée pendant l'année 2020, confinée à Buenos Aires. On a eu un confinement hyper long, d'environ 7 mois. Donc vraiment, c'était un défi pour moi de composer cette pièce parce que je sentais que c'était comme si j'étais en train de peindre ma chambre pendant que les bâtiments s'écroulaient sur moi. Donc pour moi, c'était assez difficile de voir une forme, de pouvoir planifier la pièce, d'avoir une vision vers l'avenir. Parce qu'en fait, on avait pas mal de problèmes aussi pour voir un avenir pour le monde. Donc, composer la pièce est devenu pour moi une sorte d'évasion, une possibilité de partir dans un délire ou un voyage un peu hallucinatoire. Et je me suis basé aussi sur un tableau de Victor Vasarely, qui est un peintre assez important dans mon histoire, et qui est aussi une sorte de tuyau lumineux qui pourrait servir comme une fuite. Donc, je me suis plongé sur ce tableau comme image et j'ai composé cette pièce. Qui est assez hypnotique, où on crée des ambiances inouïes avec beaucoup de couleurs harmoniques aussi qui se mélangent, un peu pas fonctionnelles, mais qui se transforment. Sur la caisse claire, à un moment, tu mets bruit de perceuse. Oui, c'est juste un trémolo très dense. Sans timbre. Parce que sinon, il y avait avec la Super Bowl sans timbre. Ah non, c'est vraiment. C'est vraiment ça, d'accord. Okay. Pour moi, ça me faisait plus penser à une perceuse. C'est pour ça. Ah, ok. Voilà. Okay. Goodbye Planet Earth est une pièce pour 25 musiciens. Et la plupart des musiciens jouent des instruments acoustiques, mais aussi il y a une mixture avec des instruments électroniques et aussi des autres instruments un peu inouïs, surtout au niveau de la percussion. La percussion, par exemple, joue beaucoup d'objets légers un peu tirés de street drumming que j'ai écouté par-ci, par-là. Et, par exemple, des casseroles ou des plaques de flexiglas, des morceaux de tôle, etc. Et puis aussi, il y a des instruments qui m'intéressent utiliser au niveau de l'ensemble pour créer des trames inouïes, des textures inouïes, une richesse plus grande au niveau du timbre. Par exemple, le clavier Hammond, la guitare électrique traitée de façon très basique, ou même un synthétiseur Moog que j'utilise avec pas mal de sons dedans. IG Hammond, on s'en fout en fait, mais on est à zéro. C'est pas grave, tu ne le touches pas. KB Amand 0, Multirad 0, ouais. Je pense qu'on ne le touche pas, c'est bon. 34. Plus d'un par, s'il vous plaît. Donc pour moi, l'idée de partager, de communiquer, ça devient de plus en plus important dans ma vie. En fait, pour moi, une existence de plus en plus individuelle, isolée, ça fait des mois et mois de sens. Et
Donc, qu'est-ce que je partage? Je partage le mieux que je peux apporter. J'ai fait mon plus grand effort pour donner quelque chose aux autres et à moi-même quand je compose, et qui soit le plus véritable, qui soit le plus légitime. Donc, ce que j'espère, c'est que de pouvoir partager ça avec le public et que le public puisse ouvrir ses oreilles et son esprit pour trouver des mondes inouïs, pour explorer de nouveaux territoires et sentir que le monde est un peu plus grand à ce qu'on pense.